Deux jeunes furets de sexe opposé s'ébattaient innocemment dans la nature. Regardons à l'intérieur d'un de ces jeunes furets. On y voit tout un fatras d'organes qui permettent au corps de fonctionner. Si on regarde le cerveau, là où il n'y a pas que du vide, il y a notamment un petit organe fondamental et mystérieux, l'hypophyse, qui agit par l'intermédiaire des hormones en vrai chef d'orchestre du fonctionnement de tous ces organes. L'équilibre du corps est donc réglé par le rythme que lui impulse l'hypophyse. Et si on imagine l'hypophyse comme un chef d'orchestre, on peut vraiment dire qu'elle est le régulateur de la petite musique des organes à l'intérieur du corps. Et dans ce cœur des organes, tout le monde chante chez John Furet. Sauf les gonades, les ovaires et les testicules, qui roupillent dans leur coin. Un jour, quand notre fufu atteint 6-8 mois, l'hypophyse décide soudain de changer de partition pour passer à quelque chose de plus rock'n'roll. Et pour cela, elle décide d'envoyer un message aux gonades pour les réveiller. Et les gonades, réveillées, se mettent à chanter. Et chantent tant et si bien que leur chant transforme le corps de notre fufu sous l'influence des hormones qu'elle sécrète. C'est le début de la puberté. Et là, forcément, les points d'intérêt changent. Oui, ben, reste pas là, toi, c'est pas le moment. Et c'est ainsi que nos fufus peuvent fabriquer plein de nouveaux petits furets. Sauf que ça, c'est dans la nature. Et que dans un foyer humain, normalement, il n'y a pas assez de place pour autant de petits furets que la nature veut bien nous en donner. D'autant plus que l'odeur et le comportement du mâle en rut peuvent laisser un peu à désirer. Un peu. Quant à la femelle, son comportement est moins gênant, bien qu'elle soit quand même très parfumée. Mais son problème principal est qu'elle ne peut pas rester en chaleur trop longtemps sans s'accoupler, car elle risque une intoxication par les estrogènes. Cela va provoquer un amaigrissement, une perte de poils et une anémie qui, à la longue, va être mortelle. Il faut donc se résoudre à stériliser nos furets. Et pour cela, il y a deux solutions. Soit la stérilisation chirurgicale, c'est-à-dire l'ablation des ovaires ou des testicules, soit la pose d'un implant sous la peau qui va reprogrammer l'hypophyse. Les gonades se rendorment et le corps retourne ainsi à l'innocence du début. Cette solution évite les risques que peut comporter toute intervention chirurgicale. Il faut cependant penser à reposer l'implant tous les 2 ans environ.